La loi du marché a des vraies conséquences. C'est pour une cause, cette année, 5 films français sont en course pour la Palme d'Or. Le petit mot d'espoir, Gaspar Kernet a pris sa revanche de la finale de la Coupe d'Europe. Les Auvergnats ont battu Toulon dans le match de clôture de la 25e et avant-dernière journée de 2014. Les Clermontois se sont imposés 22-19, une victoire qui ne leur permet pourtant pas de chipper la première place du classement au Toulonnais. Et puis en football, Alexandre Lacazette, le dernier a été désigné hier soir, meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. L'attaquant a déjà inscrit 27 buts en championnat, c'est pas fini, hein, puisqu'il reste une journée. Le titre de meilleur entraîneur a mis été décerné à Laurent Blanc, nouveau champion de France. Allez, vous êtes Paris Saint-Germain, bravo à lui. Les amateurs de bonbons vont sûrement s'arracher les premiers exemplaires du petit Robert 2016 qui sort cette semaine. Parmi les nouveautés, Zadiste ou encore Youzou, ainsi que quelques de France. Les mots qui ont fait la une de l'actualité et qui aujourd'hui rentrent dans le dictionnaire. Le prix 2016 du petit Robert de la part belle au contestataire. Entre faucheurs volontaires et climat docétique, les Zadistes qui font leur entrée. Après une année 2014 marquée par les conflits de Sivins et une autre Dame-des-Landes, ces militants écologistes ont désormais une définition officielle. Si le Zadiste n'a plus de secret pour vous, connaissez-vous alors le Bitcoin. Comme de nombreux anglicismes, cette monnaie est très utilisée sur Internet, a aujourd'hui sa place dans les pages du On va partir, ma nénette. Hein, on va aller à l'hôpital. Un petit peu du jeu avant. Il est forte, mademoiselle. Oh oui. On va y aller, mon cœur. Allez, on y va.